Bonjour à tous, on continue notre apprentissage du logiciel ETAPS. Au programme, nous allons faire l'étude d'une structure mixte, particulièrement l'étude d'une colonne mixte. ETAPS le fait bien et facilement. Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications, à commenter. Ce serait bien pour le référencement. On commence un projet. Nouveau modèle. Ça, on n'enregistre pas. Nous sommes là. Nous allons utiliser les configurations par défaut. Les espacements. OK. Ici, nous avons cet étage. Chaque étage a 3 mètres de hauteur. Nous sommes là. On commence par le matériau. Add new material. Pour l'acier, on va utiliser la section, la nuance S355. On va ajouter le béton concrete. On va utiliser la classe SC25/30. Encore nouveau pour les armatures. HA 500. Définir les différentes valeurs 435, de l'autre côté 500. Les matériaux étant définis, on commence par notre section proprement dite. Nous sommes là, il faut aller sur section properties, frame. Ici, on commence par les colonnes, bien sûr, on double-clique. Non, on va pas double-cliquer. Nous sommes là, on va cliquer sur Add New. Vous voyez ici, nous avons les sections en béton armé, les sections en acier. Ici, c'est les sections mixtes. Les sections mixtes peuvent être de deux natures. Soit le béton est enrobé de l'acier, soit c'est l'inverse. C'est l'acier qui est enrobé du béton. Donc le tout. Les deux font partie de structures mixtes. Tout comme on peut soi-même définir un nouveau matériau à l'aide de ça, section design, on peut définir nous-mêmes un nouveau matériau mixte, béton, acier, greffé, bien et facile. Donc c'est un logiciel pour lequel je vous invite à l'utiliser. Ça va vraiment vous faciliter la tâche. Pour aujourd'hui, on va utiliser cette colonne ici. Bon, on va donner un nom, la section de base. D'abord, la section de base, c'est la section de recouvrement. C'est l'acier. Les dimensions par défaut, c'est ce qui nous est proposé là. 30-30. Et la section de remplissage, le matériau de remplissage, c'est le béton. Je peux l'appeler, par exemple, mixte comme colonne mixte. Je peux voir les propriétés. Ok. La colonne mixte étant définie, je peux définir alors notre poutre. La poutre en question ici, on va utiliser une poutre ordinaire. Section C25/30 BF
750, par exemple. Hauteur 750. Et la base, c'est 400. Concernant les armatures, il s'agit d'une poutre. On ne va pas exagérer en termes d'enrobage, bien sûr. Et là, l'objectif de ces tutoriels, on va faire l'étude d'une structure avec poteaux mixtes du début jusqu'à la fin. Et on va vérifier même ces structures. Donc, restez, ne quittez pas la chaîne. On définit la section notre dalle. Il s'agit d'une dalle de 35 cm d'épaisseur. Nous sommes là. Au-dessus, on va utiliser All Story, soit Similar Story. C'est bon. On va commencer par modéliser nos poteaux. Je clique sur cet élément non, ici. Click to Color. Je choisis la section mixte. Sélectionne tout ça. C'est fait. Maintenant, je vais faire la poutre. Je clique sur ça. Frame. Je choisis la section de ma poutre. Les poutres sont faites. Je vais maintenant mettre les poutres secondaires. Je vais choisir le sens. Ici, il parle du sens des Y, parallèle à Y. Tout comme je peux changer, je peux dire parallèle à X. Les poutres secondaires sont modélisées. Je vais maintenant passer au niveau de la dalle. J'ai choisi ma section. Ok, maintenant on va passer au chargement. On va définir d'abord le cas de charge. À titre d'exemple, on va utiliser seulement le poids propre, Define et la charge d'exploitation. Ici, on va modifier ça. Ça, c'est le poids propre.
Et de l'autre côté, on change de nom simplement et on l'appelle exploitation. Ce n'est pas fini, nous rentrons là, maintenant les combinaisons. On commence par LS. Ok. On va copier ça pour faire l'élu. Ok, c'est fait. Maintenant, nous allons appliquer les charges. C'est 2. Je sélectionne mes éléments. Applique. Ok. Ça va, c'est sélectionné. Voyons les deux là. Maintenant, comme tout est fait, on ne peut que lancer le calcul. Colonne mixte, structure avec colonne mixte, acier béton, il lance les calculs. Bon, le calcul étant fait, on va vérifier. On va sur Design, Composite Design Column. Ici, je tiens à signaler une chose. La vérification de colonne mixte s'est fait seulement suivant la norme ici américaine AES 360. Combien même nous avons utilisé les eurocodes comme norme de conception pour choisir les matériaux et autres, mais pour la vérification, il va le faire seulement sur la norme américaine. Et ce n'est pas fini, on rentre sur Design, Composite Design Color, on va sur Check. Il va commencer à vérifier colonne par colonne. Ce que vous voyez là, tout ce qui est en rouge, ce sont les éléments qu'il a déjà vérifiés. Il va donner un rapport complet du taux de travail de la section suivant le ratio. Et on sait que le ratio doit toujours être inférieur à 1. Si le ratio est inférieur à 1, c'est-à-dire que la section travaille bien. Si ça dépasse, c'est-à-dire la section est sous-dimensionnée. C'est vraiment un bon logiciel, donc je vous inviterai à vous approprier de ça. C'est une alternative. Par exemple, le logiciel RoboStructural Analysis. C'est fait, vous voyez. Les différents taux de travail sont là. 0,95. 0,0 à 0,5. Par exemple, on peut prendre cette colonne ici, on fait clic droit. Vous voyez? Ok. Je peux rentrer là sur Design, Composite Design. Il y a plusieurs autres éléments qu'on peut vérifier. View, Select Design Group, Select Design Combination. Bon. Là.
Je vais enlever ça. Ok. Ce qui veut dire que je vais relancer le calcul. Display design info. Je rentre là-bas. Quelle autre chose? C'est le design group. Le groupe, on n'a pas de groupe comme tel. On rentre dans check. Maintenant, il va revérifier toutes mes colonnes suivant les combinaisons élu et LS qu'on a spécifiées. Abonnez-vous, activez les notifications pour ne rien rater de nos prochaines publications. Nous avons beaucoup de surprises. Donc là, j'ai des descriptions, c'est gros. Voici maintenant mes calculs sont faits suivant l'élu et l'LS. Le ratio, les différents ratios, vous voyez ici. Le requis 97C comme ratio. Donc, ce sont vraiment des valeurs normales. Localisation, ratio, axe, tout ça. Détails. Voici les détails que cela me donne. J'ai des détails de calcul qui ont été faits, bien sûr, suivant la norme AIS. J'ai tous les détails possibles. Sur les deux pages ici, les détails de calcul. C'est vraiment excellent. Ceci, là, nous avons les valeurs enveloppe. C'est excellent. On peut l'imprimer, c'est mieux. On garde ça au format PDF. Colonne mixte, j'ai ça. Donc c'est vraiment un excellent logiciel. Merci de votre attention. À la prochaine.